les tranchées de la Première Guerre mondiale, Rasputin, Kingsman s'amuse avec l'histoire pour la rendre totalement loufoque. On s'est fixé le challenge de coller aux événements historiques et de réussir à faire une fiction drôle tout en respectant certains éléments réels. Cette fois, il s'agit d'expliquer la création de la célèbre agence d'espionnage. Maintenir la paix et protéger la vie. La franchise remonte le temps, mais conserve son ADN. Comme pour les précédents volets, Kingsman dénote par ses scènes d'action ultra dynamiques et millimétrées. Je jouais une pièce de théâtre le soir pendant la préparation et je passais ma journée à m'entraîner à combattre pour le film. C'était de longues séances. Oui, Matthew a une équipe de cascade incroyable. Ils ont tous reçu des prix. C'est la crème de la crème. Ils ont travaillé pendant des mois avant le tournage pour tout chorégraphier. Et il y a de quoi souvent avoir le tournis. Kingsman, une franchise partie. Pour durer, un autre film est envisagé. On va voir comment celui-là marche. Mais quand on a tourné la scène de fin, on savait qu'on ouvrirait la porte à une suite possible. Et je suis convaincu que Matthew adorerait le faire. Pour nous plonger cette fois quelques décennies plus tard, mais ça, c'est une autre histoire.